Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead body. Nurse Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Trophée obtenu, entretien avec un vampire. Oh, nice. Niveau de charme augmenté, parfait. Je vais pouvoir tuer des gens. Oh, un plaisir. Et de niveau charme 2, mais il me manque encore un truc à savoir, alors c'est dommage. Je ne peux plus lui parler, là, elle vient de prendre cher. Je pense que son mental en a pris un coup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour monsieur. Il m'a fait bobo. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire ici, mais ils ont tué les malades. Oh bah ouais. Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. C'est un moyen commun de voir les choses. Bonjour, messieurs. Aïe. Voilà. Problème réglé. Je l'avais pas ouverte cette porte là. Il me semble que si. Ok. Alors rendre compte à Lady Ashbury. Alors qui c'est qu'il y a dans le coin que je pourrais éventuellement trucider? Lui, mais il a une bronchite. Est-ce que je peux guérir les bronchites? C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Alors, je vais essayer de fabriquer un remède contre la bronchite. Mais c'est pas sûr que je puisse faire quoi que ce soit. Hop, alors. Harry devrait être en train d'être soigné ou déjà être soigné. On verra ça. Alors donc traitement pour la bronchite. Je m'en rappelle pas si je l'avais. Je sais que tout ce qui est fatigue et migraine, enfin migraine et maux de tête, ça passe pas. À vérifier.
Alors, bronchite. Sepsis, anémie, fatigue, rhume, bronchite. Voilà. Alors, je vais voir ce dont les gens ont besoin. Fatigue. Fatigue, il en faudra deux. Trois fatigues. Un rhume. Une bronchite. Ok, donc. 1, 2, 3, je sais plus s'il en fallait plus, mais je vais en faire 4. Un rhume. La bronchite, on l'a. Et dans les endroits précédents. Au pire, j'ai un atelier là-bas, donc je pourrais faire d'autres choses. Ils ont l'air d'être, pour la plupart, en bonne santé. Il n'y a que lui qui a un mal de tête, mais le mal de tête, je ne peux pas encore le guérir. Lui, il a de la fatigue aussi. Mais ça sera plus tard. Ok. Je vais faire, voilà, la petite sieste. Utiliser mes points d'XP par la même occasion. Comment je vais faire pour... je sais pas trop. Vous projetez une lance faite de sang. C'est pas mal. Mais je pense qu'il va falloir bientôt améliorer quand même. Capacité sanguine. Pourquoi pas. Déjà tout ça niveau 2, ça pourrait déjà être pas mal. Soif insatiable, augmente la quantité de sang absorbé. Ouais, parfait. Et voilà. Et il ne reste plus assez de points disponibles pour mettre autre chose. Donc on va accepter ça comme ça. Plus on aura ingéré de sang et donc d'XP, plus on aura de niveau. Disparition inexplicable. Ah ouais. Lui, il y a une migraine, anémie. Et ils sont tous malades dans le coin. Anémie, migraine, je ne peux pas soigner. C'est pas possible. L'anémie, à voir. A voir, à voir, à voir. Alors, l'anémie. Anémie, je peux. Voilà. Ego. Harry devrait être soigné. On devrait plus trop avoir de problèmes à ce niveau-là. Je vais retourner à l'hôpital. Avec un niveau 2, je pense que je vais pouvoir quand même tuer quelqu'un. Et il faudrait que je regarde aussi s'il n'y a pas des missions secondaires encore dans le coin. Même s'il y a une mission secondaire, je ne sais pas trop comment y accéder. Alors, ici, il y en avait bien de niveau 2 que j'aurais pu éventuellement. Lui, il est en bonne santé, du coup, Harry, c'est bon. Tous les indices n'ont pas été récoltés. Lui, tous les indices sont bons. Darius. Donc, Darius, je pourrais le buter. C'est une excellente nouvelle. Enfin, oui. Ça fait bizarre à dire comme ça, mais... Alors, Darius, du coup, on va le soigner. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est passé? Ah, il y a des souris, je veux bien. Dorothy Crane.
foutent là-dedans, eux. C'est pas les deux malades, mais ça aurait pu. Pourquoi je suis Keblo? Lâchez-moi! Je voudrais, s'il vous plaît, ne pas rester bloqué dans un coin. On se soigne encore. Aïe 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 aïe. Non 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 non, je suis pas d'accord. Voilà, alors lui on le bouffe un coup, ça va nous faire du bien. Aïe. Mais lâchez-moi, voyons! Là, il y a niveau 13 aussi. Ça n'aide pas, c'est sûr. Alors, je vais déjà me débarrasser d'un, si je peux. Aïe! Ah, quand ils sont en surnombre, c'est assez perturbant. Salut. Aïe. Et lâche-moi un peu toi. Voilà. Alors. J'ai voulu être un petit peu trop agressif. Attends, il y a un bébé qui pleure ou c'est moi? Alors. C'est Dorothy qui fait ces bruits-là? Ah oui, c'est effectivement Dorothy qui fait ces bruits-là. Elle a été bouffée par ces bestiaux-là. Par contre, c'est une niveau 24. Alors, je risque éventuellement de souffrir. Ce qui n'est pas mon but, là, tout de suite. Donc, je vais me casser, en fait. Niveau 24, ouais, je risque de prendre très cher. Donc je me casse. Voilà, voilà, Darius, s'il te plaît. Où puis-je te trouver, mon ami? T'as une petite souris là. Ça tombe bien, j'ai faim. I can't believe I'm doing this. Elle arrive là? Je rêve? Je me casse. Non, sérieusement, elle est où? Ouais, elle est là. Elle est venue jusque dans la cour. Darius, il est où lui? Darius, ah voilà. Tu es donc ici. Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Doctor. Now leave me alone. Oula. I heard what happened to Nurse Crane. How do you feel? Everything was going well until you arrived. Dorothea helped people and will be sorely missed. I regret it too. I wish she'd continued working at the Pembroke Hospital. She was a good nurse. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I heard you are a famous surgeon. Tell me, what did you do to Dorothea? She was so bright, so clever. Then you made her an empty shell. I didn't use drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. I promise you. But what happened to her then? After you left, she did not even recognize me.
Then she got careless and sick, and I had to flee. How do you feel, Mr. Petrescu? Do you need my help? I would not even accept fresh water from you, Doctor. I don't need your help. Yes, you do. Please, take this. You'll feel better. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. Mm-hmm. Goodbye, Mr. Petrescu. Soigne-toi que je puisse te bouffer un peu plus tard. Alors... On va retourner à l'hôpital. Du coup, Dorothy, on va pas pouvoir la tuer tout de suite. Elle a un petit peu trop de niveau. Comment je peux y aller là? Faut que je fasse demi-tour. Voilà, et ensuite cette route là. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Ah, bonjour. Ces deux boss de niveau 14. Niveau 14, est-ce que c'est envisageable? Ah, il y a encore des gars qui se rajoutent en plus. Alors là, on n'a pas fini. Alors lui, il faudrait que je le batte assez rapidement, le gros. Voilà, alors lui, on lui récupère un petit peu de son sang. Ça va nous faire du bien. Toi, tu te... Aïe! Et si vous comptez me spammer sans arrêt avec votre feu, ça va chier. Et lâchez-moi un petit peu, vous. Il est invivable. Mais lâchez-moi. Aïe. Alors lui, il est plus très loin de la mort. Encore un petit coup et il devrait le sentir passer. Avec leurs armes, par contre, ils sont assez chiants. Lâche-moi, toi. Alors, lui. Il faut que je me serve des petits afin de me nourrir. Voilà. Aïe. Je suis Keblo. Non. Comment est-ce que j'arrive toujours à me faire bloquer entre trois gars? Ah. Ça, c'est pas une mécanique la plus intéressante, ça de rester Keblo contre un mur. On a un dash où on se transforme un petit peu en fumée, mais on peut pas traverser les ennemis. Quoi. C'est compliqué là. J'aurais dû avoir une réelle chance. Je me suis fait avoir.
Alors, est-ce qu'ils vont être de nouveau là, eux? Parce que techniquement, ils sont niveau 14, mais ils sont battables. Je m'en fais pas trop à ce niveau-là, faut juste pas que je reste coincé, encore une fois. Lâchez-moi. Voilà. Faudrait que j'en batte un. Aïe. Si j'arrive à en battre un, ça me facilitera déjà pas mal la tâche. Voilà. Alors on va devoir se soigner aussi. Avec le sang qu'on recevra. Lui, il faudrait que je le bute. Je vais m'écarter un peu. Voilà. Alors. On soigne un coup. Alors, on reprend un petit peu. Voilà, sur lui on peut se nourrir un petit coup. Voilà, parfait. Bon, en soi on est full life. Là niveau 100 on n'est pas trop mal. J'ai failli de nouveau rester coincé dans un coin. Voilà, un mort. Voilà. Et là, il faudrait que je m'occupe de l'autre. Voilà, toi tu meurs, toi tu vas pas tarder. Et il restera plus que lui. Un petit peu plus de sang et un petit peu de soin par la même occasion. Aïe. Aïe. Arrête de me spammer de tir, toi. Ah, encore un mort. Soigner un petit peu. Ah.
Voilà. Ok. Enfin. Il y a encore des monstres dans le coin là, il me semble. Au bruit. Alors apparemment les boss je les ai fouillés par la même occasion, ce qui est une bonne chose. Ah, je m'attendais pas à celle-là. Eh, ton petit chargement, vas-y, quand tu veux. C'est bon, l'hôpital. Alors. Je pourrais terminer ça. Ça pourrait être déjà une bonne chose. Alors, Ashbury. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, Your Ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady. The blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I would be glad to aid you in your quest for knowledge. Okay. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Mm-hmm. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Eh bien? Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker.
He left this isle a long time ago. Ah bon? D'accord. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. Okay. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here, in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Un plaisir. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Hey, pas qu'un peu. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Ah bon? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Ah ouais? Bah, alors ça veut dire que j'ai bu du sang avant d'en devenir un. Mais dans ce cas-là, j'aurais dû être inconscient, parce que c'est tout ce dont je me rappelle. I've been hearing a voice talking in my head.
Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Ok, donc on s'est fait mordre et on est la descendance d'un ancien. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Eh, j'en sais rien, moi, je demande. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an echo, and that you shall remain. Are you an echo too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Okay. So we are echons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All echon are vampires. But all vampires are not echon. We are a branch of the immortal tree. Okay, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a comme d'autres bestiaux. Je suppose que la bestiole qu'on a croisée dans les égouts, ça doit être une autre branche. L'escale, ça doit encore être une autre branche.